Et bonjour Internet, bonjour mes petits canards, ici Chazaminar, j'espère que vous avez de la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai, je retrouve sur WoW les amis, suite du let's play, WoW, 10 ans plus tard, comment ça se passe? Eh ben je suis avec mon Undead, Undead, donc le mort-vivant, tank, casatank, guerrier, qui commence à pexer tranquillou. Nous sommes toujours dans la map, dans la zone des forêts, de la forêt des pins argentés, et on avait du courrier, parce que la dernière fois on s'était quitté, j'avais laissé pas mal de choses à la JV. Donc on va voir si on a vendu des trucs ou pas. On l'a vendu, tiens, pour 10 gold, des pierres brutes. Vous voyez, il faut se faire 69 gold du feuille argent, 25 gold de la mage royale. Donc j'ai bien fait de passer 28 gold du cuivre, 19 gold de la pacifique, 8 gold du chardonnier. Voilà, puis le reste, je le laisse là, je le prendrai tout à l'heure. Donc voilà, ça fait vraiment du bien. On passe de, j'étais à 2 gold, je crois, à 164. Donc avec les métiers que j'ai choisis, herbo. Et mineur, donc ça fait plaisir, ça fait du bien, surtout que je vous rappelle que je n'ai pas vraiment d'autres persos, hein. J'ai pas des gros persos, donc je peux faire confiance qu'à moi-même pour gagner ma vie, quoi, hein. Je peux pas faire confiance à un reroll pour faire des sous. Voilà, bref, on est reparti pour la quête. Je vais juste ramasser la petite mine en passant quand même, parce que ça fait des sous, et moi, dans les mémos, j'aime avoir des sous, ce qui est normal, hein. Et on va se prendre ça. Alors c'est pas une mine, c'est la terrestine. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons aller ouais, d'accord. Dans, j'imagine que c'est une ancienne mine, voilà, où il y a des araignées. Il faut tuer des araignées. Je dois tuer 12 araignées. Et je dois aussi libérer 6 loups de mer qui sont pris sûrement dans des toiles, j'imagine. Dans des toiles d'araignées. Donc on va se faire ça. Y a pas de problème, mon petit bouchon. Je dirais même plus, no problemo, my little bouchonnet. Allez, une petite mine de cuivre en passant, un petit filon. Hop là, vas-y mon petit case. Donc, on commence à voir les araignées qui sont bien moches. Alors, pour rappel, si j'ai bien une phobie dans la vie, c'est les araignées. J'ai horreur de ça. Bon, là, on est dans un jeu. Donc, je vais pas faire ma mijaurée. Mais dans la vraie vie, regarde, c'est quand même moche. Regardez un petit peu le bestiau. Regardez-moi ça là. Bah. Quelle aussi grosse qu'un bœuf aussi. Alors là, c'est stressant quoi. Moi, ils tombent sur un truc comme ça dans la vraie vie, je pète un plomb. Voilà. Tout ça pour dire que je n'aime pas les araignées. Donc, on va tous les assassiner. Ah, regardez, les loups de mer sont ici. Les loups de mer, c'est quand même moche comme expression. Comme nom, un loup de mer. Je connaissais les loups de nez, hein, les Mickey, mais alors les loups de mer, enfin si je connais ça aussi. Ah, ça doit être un mob rare, regardez juste devant nous. Ouais, Crétis, Tis l'ombre. Alors on va se, avant de. Ouais, on va laisser la faire, hein, cette grosse cochonne. Qui n'est pas une cochonne, mais une araignée, je rappelle. Alors il va falloir la poule tranquillement. Donc on va déjà faire un... Ah merde, je me suis fait avoir. Ah merde, elle est en train de se barrer. Il faudrait pas qu'il y ait un autre jour qui passe par là. En même temps, ça me ferait très mal au cul, comme la pique. Ah merde. Ah j'ai les loups de mer qui me suivent en plus. On va en profiter. Et en plus, apparemment, ils tapent bien fort. Allez, on y va. On est un dingue, de toute façon, là, rien à perdre. C'est parti. Ça va faire du pex, les amis. Regardez bien ma barre d'XP, je dois être à... Je suis à 33%, là, 32%. Ah bah, je pense qu'elle va vite grimper. Allez, 2300 pecs. C'est bon ça. Ah, regardez, je passe de 33% à 62%. Ça, c'est bon. Et j'ai gagné des gants en tissu. Donc, on s'en fout un petit peu. Hein. Voilà, on a bien fait de passer, par là. On a bien fait d'ouvrir l'œil. Son chant des araignées qui fufuent avant de mourir. Ça sert à rien de faire ça. Hop. En tout cas, c'est bien pratique là, les loups de mer. Ils tapent fort, hein, je trouve. Hein. Allez. On y va. Bon, vivement volant. Tiens, viens là, toi.
Elle est plus que deux loups de mer. Et 5 araignées. J'aimerais bien avoir une armée de loups de mer à chaque fois, tout le temps avec moi. Un petit bouton qui te fait pop une armée de loups de mer. Trop la classe. Allez hop, on a libéré assez de copains, ça c'est bon. Il reste plus qu'à se fumer une paire d'araignées. Ah, il y a un gros étain forestier là-bas. Champion. Élite. Ouais, on dit élite d'en haut. C'est vrai que j'ai des formations professionnelles à force de jouer à plein de MMO différents. Ça, élite. Bon, je suis sûr qu'avec mon armée de loups de mer, je peux me le faire. Hein. Allez hop, c'est parti. Pour le fun. Pour the victory. Allez, mes petits loups de mer, moi je passe en mode tank. Je vous laisse. Attention, le coup de bûche, ça fait mal ça. Ah le bâtard. Voilà, facile. Putain, ça loot pas par contre, c'est de la merde. Dis donc, déception. Voilà, ça va à une vitesse. C'est bon. Dans la toile de l'araignée, la racine du mal doit être trouvée et détruite. La matriarche toile grouillante doit être toute proche. Elle doit se cacher dans la caverne. Tuez la matriarche toile grouillante. Allez, hop, on y va. C'était sûr, ça. C'était sûr. On va passer niveau 13 avec tout ça, hein, assez rapidement. Plus rapidement qu'espéré. Allez, on va trouver la matriarche qui doit être au fond de sa mine en train de pondre les œufs. Allez, viens-les, ma bande! Par ici, les amis. Tout droit, matelot. Oh, hello! Alors, à droite ou en haut? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis en haut. Ouais, moi, je dis en haut. Voilà, faut monter comme ça, je pense. Je vous sens bien comme ça. Et ensuite, à droite. Ouais, 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 ça me paraît pas trop mal, comme ceci. On doit pas être bien loin. De la matriarche. Elle doit pas être belle. Là-bas, on la voit à travers le mur. On voit sa barre de vie là-bas. Elle doit pas être belle. Elle doit pas être belle, je le sens. Au secours. Ah, sale bête. Elle est en hauteur. Regardez un peu le bestiau. Blah. Ah, comme c'est laid. Bah, allez, viens par là. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Bon, tu descends que je t'allume là. Ah, j'ai perdu l'ivresse de ma victoire à ce moment-là, quoi. Sérieux. Attention, elle fout du venin. Allez, ça c'est une bonne chose de faite, on n'en parle plus. Maintenant, on n'a plus qu'à rendre les quêtes. Sortons d'ici, ça pue. Je suis pas très à l'aise dans cet endroit plein d'araignées. Ça me fout des frissons, dans le dos. Dans le dos. On se rappelle qu'il faut attendre le niveau 15 pour débloquer l'outil LFG. Looking for group. Yes, looking for group, my dear friend. Afin de trouver des groupes de donjons. Et quand on sera à plus haut niveau, on n'y est pas encore, c'est vrai, mais on y sera un jour. Trouver les groupes de raids, etc. Bon, j'ai vu qu'il y avait. Je pense que vous avez entendu parler de toute la. Ça s'appelle. Toutes les filles que j'aime. Non. De l'affaire du serveur privé Nostarlius, je ne sais même plus son nom, Nostarlius, enfin bon bref, un serveur privé qui faisait tourner WoW Vanilla, qui avait un gros succès, il y avait beaucoup de monde dessus, qui a été fermé par Blizzard parce que, conflit, parce que d'autres personnes utilisaient son jeu, quoi, normal. Ce qui a soulevé tout un débat sur le retour des serveurs officiels Vanilla, etc. Et apparemment, il y a quand même des bonnes discussions qui sont en cours avec la communauté, les joueurs, d'anciens gérants du serveur fermé Nostarlius, bref. Donc Blizzard est à l'écoute, Blizzard est ouvert à la discussion pour savoir ce que veulent les joueurs. Mais apparemment, ça a l'air d'être hyper compliqué, c'est ce qu'ils disaient dans un communiqué, pour eux, de mettre en place...
des serveurs Vanilla, tout simplement parce que le jeu a extrêmement changé depuis. Voilà. J'ai un peu de mal à y croire parce que bon, je pense que quand même, un éditeur comme Blizzard qui fait tourner un MMO depuis 10 ans, je pense qu'il a quand même de quoi avoir tous les codes, etc. Pour pouvoir remettre en place une ancienne version plus facilement. Bref, affaire à suivre les amis. Alors, on est passé niveau 13, on n'a pas débloqué rien du tout, on n'a pas débloqué de nouvelles compétences ou quoi, ok, c'est pas grave, niveau 13, on avance, il y a un pandarien devant nous, une prêtresse pandarienne. Allez, l'amiral achète, tiens, l'octar, une fois que nous n'aurons plus de bière, mes orques seront enfin prêts, ça marche. Vous avez secouru nos orques et aussi la matrière toile grouillante, vous en avez rendu fier service. Ok. Alors, Maï, 3 rendus, c'est bon ça. Et je passe amical auprès d'Orgrimmar. Hop, on se met notre truc en plus 2. Portez la lettre de recommandation de l'amiral à Dame Sylvanas Courcevent au commandement des réprouvés dans les forêts des parts argentées. D'accord, bon, faut retourner à l'envers. Il me semble qu'il y a un fly. Oui, il y a un fly. Ça sera beaucoup plus simple. Retournons voir Dame Sylvanas. Et tiens, oh, il y a juste un bon petit pote là. On va se prendre le feu d'argent. Eh oui, un farmer jusqu'au bout. Hein. Vous avez vu que c'était plutôt rentable, je trouve, pour un niveau. Pour un nouveau joueur qui redébarque. Allez, feuille argent. Retiens la nuit. Oh. Allez, c'est parti, ma poule. On va où? On va au commandement, c'est juste à côté. Hop là! Ah pareil, j'ai remarqué, ça c'est tout con, mais c'est ça, c'est un nouveau bouton. Ça n'existait pas à l'époque quand je jouais, il y a fort longtemps. La demande d'arrêt, vous appuyez dessus et du coup, par exemple, si vous avez demandé à votre fly d'aller à l'autre bout du continent, quand vous appuyez sur le bouton, votre fly s'arrêtera au prochain arrêt par défaut. Donc c'est très, ça peut être pratique quand on a besoin de descendre rapidement ou quand on s'est trompé de destination. Petit détail, mais ça a son importance. Alors, Dame Sylvanas Courcevent, la reine Banshee. Je n'ai pas le temps de jouer. Comment ça, t'as pas le temps? Je suis impressionné, Kazawa, et croyez-moi, je ne dis cela que fort rarement. Vous avez des talents. Ouais, on va continuer comme ça, ok. Ranimer 15 réprouvés en tuant des humains sur l'île de Fenris. D'accord. Bon, bah, j'ai une mission, hein. Tuer des humains. Ah oui, puis je suis accompagné d'un Valkyr là. D'accord, très bien. Donc mon fameux Valkyr, je peux marcher sur l'eau aussi, qui va venir réanimer ceux que je tue pour en faire des réprouvés. D'accord. Donc c'est vicieux hein, quand même. Les réprouvés. Faire un petit peu de ménage sur le chemin. Ah. Il a soufflé dans son pipeau, mais là ça marche pas. C'est un worg. Tu ne peux pas ressusciter les wargs, en faire des wargs de réprouver, ma poule. T'en fais un bordel. Arrête de gueuler comme ça. Allez, on va passer tout droit. Je pense que là où il y a des espèces de barques, il devrait y avoir des humains déjà. Je suis tellement terrible. Les déserts gelés de Norfandre me manquent, nous dit Agatha. Alors je rappelle que Agatha est une Valkyre et que les Valkyres étaient les serviteurs du roi Lich, qui a été Oxy hein, dans l'histoire du jeu. Le roi Lich n'est plus. Alors, allons-y. Trouvons des humains. Ben voilà, il suffit de demander. Réfugié de Haute-Brand. Allez hop. Ah, puis de les fier en plus. Ah, mais en plus, c'est de les fier. Ok, pratique. Et puis elle prend l'aggro. Bon, ils ont masse PV ou ils sont costauds les trucs là. Allez, un troupier retrouvé de fait. Ah, enfin, comment? Une quinzaine, c'est long. Je suis sûr qu'il y a un mob. Il doit y avoir un mob élite là-dedans. Ouais. C'est obligé. Putain, par contre, ça loot pas, c'est ça qui est chiant quoi. Ce qui lui transforme direct dès qu'il touche le sol. Ah,
Va mourir, oui. Allez, viens. Attends, on va taper sur le même, ça ira plus vite, ma poule. Voilà. À genoux devant votre nouveau maître. Bon, on a fait que le tiers. Non, ouais, ils sont solides, hein. Oh, hey, oh. Ah, hey, oh. Ah, je soupire quand je tape. Hop, 7 sur 15, nous avons fait la moitié, les amis. On est en train de faire un de ces ménages. On dirait un bateau. Ah, avec le bruit qu'elle fait à chaque fois là. J'ai l'impression d'être dans un bateau. C'est bon. 9 sur 15. Oh, si j'aggro la map, elle prend l'aggro, je pense. Hein. On va voir. Il va falloir qu'elle prenne l'aggro. Il va falloir qu'elle prenne l'aggro, ma poule. Il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu m'aides. C'est bon. Et bon. Ça va, elle gère. Elle gère, Agathe. Agatha. Ah, faut en taper sur lequel? On tape pas sur le même, hein, encore. Hein. La course au DPS contre Agatha. Allez, ma poule, encore 3. Hein. On y arrive. Voilà, allez, plus que 2, mon petit bouchon. Là-bas, il y a une autre sortie ou pas? Parce que là, je suis en train de faire un gros tour. Non, pas l'impression. Si, non, non, il n'y a pas. On va revenir un peu en arrière. De toute façon, je pense que ça a dû repop là, au niveau de la plage. Dap dap didou dap dap didou. Voilà, ça repop, il suffisait de le dire. Ou alors c'en a un qu'on a oublié. C'est possible aussi, le pauvre petit. Pense pas quand même. Je suis pas du genre à oublier des mobs en cours de chemin. Allez, plus qu'un, la petite dernière. Tiens, voilà par là, t'es bien mignonne. Mais t'es morte. Enfin, pas encore, mais tu vas mourir. Et tu vas devenir un mort vivant. Une réprouvée. Donc tu as peur. Pareil, j'ai l'impression que c'est assez nouveau, ça. C'est que, vous voyez, les mobs, ils ont des expressions faciales, hein, plutôt détaillées en plus. Hein. Je suis pas sûr que ça existait, ça, à l'époque, hein, il y a 10 ans. Hein. Il y a eu du travail, quand même. Allez, mortel recrutement. Je sais tout, Casavoir, je vois par les yeux d'Agatha. Bon, super. Trouver les chefs des réfugiés à l'intérieur du donjon de Fenris. Eh bah merde, faut y retourner, hein, merde, salope, t'aurais pu me le dire avant. Oui, excuse-moi pour les gros mots, mais zut. Allez. Bon, me fera tomber une épée. Agatha, tu viens? C'est par là, mon petit bouchon, je te montre. Donc, faut trouver chef humain trouvé. 0 sur 1, donc il n'y en a qu'un. Bon, alors pourquoi il y a un S à chef? Moi, je sais pas, bizarre. Ah, les factionnaires Worgen. Ouh, attention, il y a du lit là. Ah bah, c'est lui, le chef. Il y a du lit, mais je suis accompagné d'Agatha. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce que Agatha, c'est ma copine.
Agatha, Agatha. C'est bon? Ah non, c'est pas bon, d'accord. Allez, à gauche. Je pense qu'ils sont en hauteur, hein. Ils sont souvent en haut. Les chefs. Factionnaire. Factionnaire. Je pense qu'il doit y avoir un escalier quelque part. Heureusement qu'elle prend l'aggro quand même. Cette coquine. Il y a un escalier par là. Moi je dis, quand tu sais pas, tu cherches quelqu'un, prends toujours l'escalier qui monte et tu trouveras. T'as un proverbe maori. Non, je déconne, j'en sais rien. Ça serait lui le chef? Non, bah non. C'est un humain, donc bon. Ah, ça monte encore. Mais je pense que c'est dans la salle là. Là, je pense que là, franchement. Oula, oula, oula. Mon bonhomme bouge tout seul. Ça m'a fait peur. Allez, on écoute. Débrouvez, on franchit vos défenses, magistrat. Vous n'avez plus de temps. Il faut prendre une décision. Mourrez au combat et vous serez relevé comme laquais des réprouvés. Ou alors, buvez mon sang et vous renaîtrez Worgen, immunisé contre la répression des réprouvés. Ah d'accord, ça, je savais pas que ça marchait comme ça. Aidez-nous à anéantir les réprouvés et à reprendre l'ordre des ronds pour l'Alliance. Je savais pas qu'on pouvait devenir Worgen. Les humains devenaient des Worgen. Préférions mourir plutôt que de devenir des Worgen. Mais comme il semble plus... Il semble que même la mort ne nous protège plus des atrocités de cette guerre. Nous allons boire votre sang. Nous choisissons la vengeance. Voilà, donc ils vont boire le sang des Worgen et devenir des Worgen. Courez! Ok, ok, mais ok, on a tout vu, on a tout filmé. Yagata, elle me prend entre ses boobs et elle me ramène à la base. On a vu que ça craignait un petit peu du boulin. Effectivement. Allez, allez Agatha, t'arrêtes pas comme ça. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Et donc on comprend mieux maintenant comment ça marche, hein. Les réprouvés, les Worgen. Donc effectivement, les Worgen sont aussi soumis à une malédiction. Hein, parce que nous réprouvés, nous avons une malédiction vu que nous sommes des morts qui nous relevons. Hein. On n'a même pas le repos éternel, on peut pas être tranquille. Et les Worgen, eux, bah, ils sont forts et puissants, mais ce sont des loups-garous, quoi. Des bêtes, quoi. Allez, Agatha. Beau design. Bon, j'ai l'air un peu con, là. On dirait un Playmobil qui a accroché une ficelle. Avec mes bottes, mes belles bottes vertes. Mais bon, je suis sûr que vous êtes jaloux de mes bottes vertes. Alors, Dame Sylvanas. Quelle joie y a-t-il dans cette maladie ? Vous avez bien servi, Kazawar. Quelqu'un de votre talent pourrait m'être fort utile au sépulcre. J'ai un plan pour en finir une bonne fois pour tout être crawlé. Et ces insurgés, est-ce que vous voulez en faire partie de ce plan ? Bien évidemment, ma poule. Je vais te prendre ton épée, elle est pas mal. Accompagné Dame Sylvanas court souvent au sépulcre dans la forêt des pins argentés. Bah, c'est parti. Petite, interlude vidéo. Je suis sur un cheval. Je sais pas. On va écouter, on va écouter. N'a pas toujours été les réprouvés. Autrefois, cette terre abritait les royaumes du nord de l'Orderon, où régnait le roi Terenas Menethil. Terenas avait un fils appelé Arthas. Je tremble de rage, rien qu'en prononçant ce nom. Cet homme enfant, Arthas, s'est emparé d'une lame maudite appelée Deugibre. Sous son influence, Arthas a tué son père, dévasté sa terre et tué tous ses occupants. Je suis moi-même morte de la main d'Arthas, quand lui et son armée ont mis à sac Keltalas, mon pays.
et assassiné mon peuple. Dans son immense cruauté, Arthas a séparé mon esprit de mon corps et a fait de moi une banshee pour servir son armée du fléau. Le même destin attendait tous ceux qui succombaient à la machine de guerre du fléau. Leur mort était autant de renaissances, de pantins sans cervelle. Mais Arthas n'était pas invincible. Chaque jour, son pouvoir diminuait un peu. Son emprise sur les morts vivants se relâchait. C'est quand elle fut au plus faible que je frappais. Mais même si l'heure de son expiation était arrivée, ce misérable parvint à échapper à son destin en retournant dans les terres gelées du Norfandre. Mais avec Arthas, disparut le contrôle qu'il maintenait sur les morts vivants de l'Ordéron. Après avoir retrouvé mon corps, je libérai les membres du fléau qu'il avait laissé. De la cruauté et de l'absence de pitié d'Arthas, celui qui allait devenir le roi Lich, son nez les réprouvait. Notre objectif, notre but unique était de détruire le roi Lich. Nous nous sommes alliés à la Horde et nous sommes lancés sur la voie de cette rédemption. Maintenant, le roi Lich est mort et nous sommes revenus. Le peuple qui de son vivant revendiquait ce pays continue à le faire dans la mort. Mais l'Alliance ne nous reconnaît pas ce droit. Ils prétendent que cette terre leur appartient, malgré les revendications des fondateurs de ce royaume. Mais ben... Je ne le permettrai pas. Jamais. L'Ordéron appartient aux réprouvés. Maintenant et pour toujours. Bon ben voilà les amis. C'était bien parce qu'on a eu une espèce de... Voilà, de cutscene. On nous a tout expliqué sur l'histoire des réprouvés. Et de Arthas, alias le roi Lich, très très bien, donc très intéressant. Comprenez-vous bien l'importance de votre mission ici. Crawley, ces chiens de l'Alliance doivent être arrêtés à tout près. Oui, madame. Récupérer 6 insignes retrouvés sur les cadavres des troupiers retrouvés vétérans. Ça marche. Bon, bah, les amis, moi je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur ce Let's Play. Wow, 10 ans plus tard, en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt, mes petits choux. Bye.